Bienvenue à la semaine olympique et paralympique de l'OMS à Chazelles-sur-Lyon. C'est une semaine basée autour du sport et surtout des Jeux olympiques qui sont organisés à Paris cette année. Le but de la semaine, c'est de découvrir une dizaine d'activités sportives sous forme de petites compétitions. En impliquant les enfants dans une équipe, notamment durant un tirage au sort. Même s'il n'y en a pas, parce que tout l'objectif premier, c'est que les enfants s'amusent. Et elle permet aussi de montrer aux enfants une sensibilité par rapport au handicap. Sur les activités sportives tout au long de cette semaine. On a pu faire de l'athlétisme, du handball, on a fait de l'escalade, gymnastique. Il y a deux activités paralympiques. Il y a un petit quiz également en lien avec les Jeux Olympiques. On a pu mettre les enfants à fond dans cette semaine-là en décorant la cour. On a fait énormément de petits dessins, on a fait beaucoup de drapeaux qu'on a affichés partout dans la cour, les anneaux. En créant un cri de guerre pour chaque équipe. On fait aussi de la danse pour apporter un moment de convivialité et de partage autour d'une choré. La mission des animateurs sur cette semaine-là, c'est apporter notre savoir-faire. Impliquer certaines valeurs comme le respect, l'entraide, la solidarité. Le partage, de la tolérance pour tous. C'est toutes ces valeurs qu'on essaye d'inculquer depuis 2015 à l'OMS. Quoi. On est là pour aussi leur faire découvrir des pratiques, en encadrant ces pratiques, en posant les règles. On se doit aussi d'assurer toute la part de sécurité. Pour faire traverser les enfants. Sur les différents passages piétons, pour l'accès aux différentes infrastructures sportives. Ça passe par le rang, où ils doivent bien être deux par deux. On doit bien les recompter, évidemment. Régler les conflits, s'ils sont tristes, les rassurer. S'ils perdent, les remotiver. Ils ont un rôle assez multiple, mais très important. C'est trop bien. Et salut. À tout le monde participe. On a rencontré les C'est toujours différent. Le sport, ça donne vraiment un support par rapport à l'éducation. Est-ce que vous avez aimé la semaine olympique? Oui, c'était trop bien. Oui. Mais c'était vraiment trop bien.